Et bonjour à tous. Un petit WoW cet après-midi, tranquillement. On va pouvoir continuer l'histoire des Sylvarden. On va voir ce que ça donne. On était où? On était... Ah oui, on devait aller dans l'antre. Oh! J'ai jamais vu! Qu'est-ce qu'il voulait le squelette? À la gueule qu'il a! Donc, c'est parti pour aller dans l'antre. Si je me souviens bien, il faut sauter dans le trou. Et c'est parti! Tataïoïo! Alors, on va voir ce que cette histoire donne. Franchement, là, on en est vraiment qu'au tout début. On n'a même pas encore débloqué les héros pour les envoyer en mission ou quoi que ce soit. Donc, franchement, voilà quoi. Par contre, on a débloqué les donjons. Tous les donjons level 60. Comme on peut voir. Donc, on va tag en même temps. On va tag, au moins, comme ça, on pourra peut-être avoir du stuff. Et plus on a de stuff, mieux c'est, hein. Ah bah, Et bah voilà. Oh, cool. Ils se sont mis où? Ah là. Oh voilà, petit donjon. Ah, ça commence. Ça, c'est d'être heal. Quand t'es heal, t'attaques à coup sûr. Mais clairement, hein. Tu veux juste d'être heal. T'es heal ou tank, t'es sûr de tag. On va réfléchir. Hein. T'es heal ou tank, t'es sûr de tag. Alors le bâton il est moins bien. Par contre la cape elle est mieux. La cape on la met direct. On réfléchit même pas. Hop. Et on sauvegarde l'aspect heal. Hop. En bijoux, il m'a bien switché. Par contre on a des bijoux bah attaque hein, bien sûr malheureusement. C'est lequel? Ah c'est celui-là. On va rester poli, on va dire bonjour. Allez, c'est parti. C'est quoi le bâton? Ouh, il est pas beau. Il est pas beau. On va le délaître. Oh, j'ai pas vu ça. Il y a des trucs que je découvre de mon inventaire. Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas avoir déco avec. La représentation festive donnée dans l'amphithéâtre du lac sont toujours bienvenus dans les locaux qui doivent sans cesse veiller sur les graines sauvages. Ah oui, quand même, un cas. On va vendre. Hein. On va vendre. On va pas garder ça. Hein. Pour faire l'ambre au métal, pour fabriquer outils et objets décoratifs. On va vendre aussi, c'est gris de toute façon. Ok, et on a 500 points à envoyer dans la congrégation quand on y reprendra. Ok, alors normalement, il faudrait qu'on monte 180 pour ce week-end. Parce que ce week-end, la guilde fait le premier raid. Mais maintenant, c'est pas sûr qu'on soit là ce week-end. Donc on va pas vraiment se fixer... une limite. On va monter l'histoire tranquillement et on verra bien. Quoi qu'il arrive, le raid, on le fera. Ça, c'est sûr, on le fera, étant donné que je veux avancer dans l'histoire. Pour voir un peu l'histoire, les cinématiques, tout ça. Mais je me presse pas. Franchement, je me presse pas, ça sert à rien. Je prends mon temps. Je découvre le jeu.
Alors, c'est laquelle celle-là déjà? Ah, je crois que c'est celui où le premier boss, il est plus dur que tout le reste du donjon. Oh ouais, si je me souviens bien. Et là, il est chaud. C'est marrant le tank. Ah non, j'ai pas un tank, c'est un DPS. Mais je crois qu'ils ont changé quelques compétences au niveau du moine. Oh, il va falloir que j'allume mon moine pour tester ça. Ça, il va falloir pex tous les rerolls. Hein. Il y a le moine à monter, il y a le DH à monter, il y a le chaman à monter, il y a la paladin à monter. On a quoi aussi en level 60? J'en ai un autre si je me souviens bien. Il y a le deuxième war aussi, le war côté horde à monter. Lui par contre il va être beaucoup plus dur à se motiver. Il fallait pas rester dans la boue mon gars. Ok, alors il y a un truc qu'on fait mal, ou il y a peut-être un truc que je fais mal. Non, c'est bien, il y a un truc qui font mal. Bon, ça commence bien. Premier donjon, première mort. On en est là. De toute façon, malheureusement, c'est souvent la dure réalité quand on fait du pick-up. Quand on fait du pick-up, 90% du temps, il y a de grandes chances de tomber sur des groupes qui ont soit un peu de mal, soit, comment dire, une mauvaise coordination, quoi. En même temps, ça peut se comprendre. On n'est pas, il n'y a pas de Discord, personne ne se connaît, on arrive, on fait notre taf. Voilà. Des fois, c'est toujours difficile. Des fois, tu peux tomber sur des groupes, ça coule tout seul, ça va tout droit. Et il y a des fois, bah, tu mets je sais pas combien de temps dans le donjon. Hein. Mais bon, ça permet de rencontrer des gens et tout. Franchement, moi, le random, il me plaît bien. Parce que, bah, tu découvres des trucs. Des trucs et des gens. Que, bah, t'aurais jamais rencontré si t'avais pas fait random, si t'avais full guild par exemple. Ah, c'est sûr, full guild, tu joues à la sécure. Hein. Mais random, c'est toujours sympa. Tu peux taper des barres avec des gens, tu reverras plus jamais. Hein. Mais tu t'es tapé un super bon moment. Bon déjà ça se passe beaucoup mieux. Donc c'était bien une histoire d'ad. Et GG. Allez, premier boss. Ouh, joli doigt. Joli petit doigt. 140. Ah par contre si c'est du stop 140 c'est pas cool. Bah, j'en ai pas vraiment besoin du 140. Ouais, ouais. On va avancer, on va voir. Et pour commencer du HM, ouais, faut passer 155. Hein. Le HM, on peut pas le faire encore.
Hades. Oh non, genre. Oh, c'est une tenue main gauche. Non, Hades. Ok, je comprends pas l'action, mais c'est pas grave. Hein, le fear il est pas cool. Ah, il était pas cool du tout. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Bien sûr. Ça refire. Mais c'est quoi ce sort ?
Les mobs sont presque plus durs que les boss, sérieux. Au suivant? Non. Non, pas encore. Ah. Allez, il attend quoi? Thank you.
Boss suivant? Je crois, oui. Boss suivant? Oui, boss suivant. Allez, c'est parti, boss suivant. Après, il en restera deux. Ah oui, après on va voler. À dos de bastion. Easy ce boss. Par rapport à l'autre. Ouais, donc c'est pas ce donjon où le premier boss est plus dur que tous les autres. Bon, celui-là semble quand même un peu, mais... Oh, celui-là il est chiant, mais il est chiant. Je suis avec le grappe. Ouais, mais ils sont pas level 60, d'accord. Explique des choses. Bon, il attend quoi? Allez! Déjà, celui-là, il est chiant. Alors, si tu mets longtemps à attaquer...
Allez. C'est parti? Non, c'est pas parti. Ouh, sa vie. Ouh, il est mort. Je crois qu'ils ont pas compris qu'il fallait servir du grappin du gros au lieu de le kill. Alors. Si je marche dans la OE, on risque pas d'avancer bien loin. Ah! Il va me grappe. Pourquoi il la kill de con? Mais il connaît pas la strat? Bon, ben voilà. Je pense que ça connaît pas la strat.
Ah, ça y est, il a enfin compris. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à tenir? Ça, c'est une autre question. Merci. Bon, ça va, ils ont réussi. Ouh, ouh. Petit ours. Allez, c'est parti. Ouais, les mages depuis les mages depuis la mage. Joue glace. Ça se voit. Voilà, 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 voilà. Attention. Bon, vont-ils y arriver? Pour le moment, ça part plutôt pas mal. Non. Vous ne serez plus là pour assister à la fin du royaume. Allez, on y retourne. Quand je disais qu'avec des randoms c'était aléatoire, voilà quoi. Hein.
Ah, j'ai mon addon qui bug complet, qui met les pourcentages de l'équipe, sachant que je suis heal. On va quand même la mettre vu la différence du level. Quand même celui-là. Eh merde. Cette fois-ci je ferai pas la même erreur. C'est moi que je libère. Attention. Il est relou avec cette tempête. Le film me congèle moi. Attention. Et GG. Un doigt, du tissu et de l'or. Oh, mais on aura eu un petit pantalon. Alors, il a fait le switch des bijoux ou pas? Oui, il a fait le switch des bijoux, je crois. Technique, ok, 128 et 138, 140, 158. Les attaques que vous infligez ou que vous subissez ont une chance d'augmenter votre score de coup critique. Ouais, ça a bien switch. Alors on reprend. Oui, là. Ok. Règle numéro 1. Avoir une porte de sortie. Pour assurer sa survie dans l'an, il faut disposer en permanence d'un plan d'évasion. Je suis bien consciente de l'ironie qu'il y a à énoncer cette règle alors que je me montre incapable de m'échapper d'ici. Je vous autorise à en rire. Ok, là il n'y a rien.
Là, il n'y a rien non plus. Comment on remonte? Je me suis coincé comme un mongol. Et salut! Ça va? Ah, je crois que j'ai trouvé. Alors, faut qu'il quoi? Âme versée dans le gardien d'âme. Ok. Stégie. Les ennemis puissants rapportent davantage de stégie. Faut qu'il tout ce qui bouge, quoi. Moi, je comprends ça. On va faire un test. Kill tout ce qui bouge. Je regardais pas ma vie. C'est pas moi, j'ai rien fait. D'accord, ça me raid automatiquement. Quoi, ces dégâts que je prends sérieux? Si j'étais à poil. Alors, les ennemis puissants, ok. 5 âmes versées dans le gardien. Dans le gardien d'âme. Ouais, t'es bien gentil, mais. Il y a des nounours. Les nounours, ils servent à rien. Un truc avec le nounours? Non, ça fait rien. C'est juste une monture. Ça va être très long. On va lire. Sauver 5 âmes et récupérer 60 stygies. Plus un ennemi est puissant, plus vous avez de chances de trouver de grandes quantités de stygies. Utilisez pour acheter un cryptogramme de déplacement. Ah, ok.
Ok, j'ai toujours rien compris. Il n'y a pas d'objet à cliquer. Il n'y a rien, il y a juste des mobs à tuer quoi. Je crois que j'ai trouvé les âmes. L'âme s'est barrée. Nickel, là y a rien. Bien récent. Ça, c'est de la guilde. Malgré que c'est un hors deux. Heureux ? Oui, ça va et toi ? Bah, fatigué, mais ça va. Alors. Histoire d'âme, là. D'accord. Faut les libérer et cliquer dessus. Ouais, c'est ça. Libérer et cliquer. Et tuer tout ce qui bouge. Avec l'onde, cette quête. Très longue. Bon, on va se débarrasser des âmes, déjà, vu que c'est plus rapide. Alors, vos actions dans l'un attirent l'attention de l'œil d'un. En plus, sur la joue, j'augmente votre niveau de menace. D'accord. Donc, plus je fais des trucs, plus il est au courant. Ok, aucune prochaine menace, chercheur d'âme. Ok. Donc plus j'agis, plus l'autre il s'en rend compte, plus il va balancer des trucs pour essayer de me kill.
Alors. Ah, une nouvelle âme est libérée. Il n'y a plus qu'une âme. Et après, bah, faut kill du mob bêtement. Ah non! Je crois que ça y est, je suis plein. Ouais, je suis plein. Putain, ça a été rapide. Ah, je m'attendais que ça allait être 4 fois plus long. Allez, parfait. Bon, bah, on va rendre. Acheter un cryptographe de déplacement. Ok. Ah, d'accord. Ouh. Réceptacle d'esprit. Hein, la première fois que vous mourrez dans les tourments n'est pas compatibilisé. Ouh, c'est cool ça. Restituer le souvenir suivant au runomancien. Oh! Il va y avoir tout un truc dans l'antre, je le sens. Alors, faut cliquer sur les disques chelous là. Je pense que ça va créer une ville safe dans l'antre pour nous. Alors. Là, c'est une balise de destination à Okiryu. La confiance se mérite et le savoir n'est pas gratuit. Je vous ai donné un cryptogramme. Il est donc clair que vous m'êtes redevable.
terminé. Jamais vous ne sortirez de l'ordre. Ah, je crois que Bane s'est refait choper. Elle fait trop mal cette compétence. Là où tu claques toutes tes compétences d'un coup, elle fait trop mal. Et on rate l'entrée. On est dans la merde. Vous sentez les assauts de l'antre contre votre esprit. Ne commettez pas d'imprudence tant que l'œil du geôlier s'offrirait. Alors, utilisez la pierre d'accès pour gagner au Ribos. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut qu'on retourne là-bas. On va retourner là-bas. Vous voulez un fly.
Et où sont ce con? Et c'est parti. On va pouvoir mettre l'anima qu'on a gagné aussi. Alors. Vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez. Amélioration du sanctum. Alors, on va d'abord faire un dépôt. Ça a tout pris? Oui, ça a tout pris. Alors, réseau de transport. Réactiver les mystérieux réseaux myciliens qui relaient autrefois. Pour le site de Sylvarden, il vous donnera accès à plus d'options de voyage au sein de cette région. Et vous ouvrira de nouvelles destinations et qui nous feront leur propre récompense. Après activation, vous aurez accès à des améliorations supplémentaires. Rive flottante. Alimenter cet antique et puissant appareil d'anima une fois en état de fonctionner, il vous permettra de diriger l'anima vers différents lieux de Sylvarden, vous donnant ainsi accès à de nouveaux défis et aventures. Jardin sacré, vous pouvez cultiver des graines. Ok, bon. On va activer ça. Et on va essayer de gagner ce qui manque. Le temps que ça charge. J'ai pas regardé l'émission. En plus, il n'y a pas... Ah non, c'est à partir de demain. Je vais dire, il n'y a pas la tortue, entre guillemets, à partir de... C'est à partir de demain. Rejoignez-le à la forge. Oui, vous ferez
pourrait bien la faire. C'est le rituel de lien d'âme. Ce serait un honneur de me battre à vos côtés. Que voulez-vous? Je ferai de mon mieux. Ah, une petite cinématique. Je suis si content que vous soyez là. Cool. Activez un pouvoir de lien d'âme à l'aide de la forge de lien. Les dégâts que vous infligez et les soins que vous prodiguez sont augmentés de 15% lorsque vous canalisez vos quels esprits. Les soins de rétablissement et de régénération frénétique sont augmentés de 12% sur vous-même. Et pendant 3,0 secondes après avoir abandonné votre forme de félin ou votre forme de voyage, vous avez jusqu'à 40% de votre vitesse. On va prendre celle-là. Je suis un peu spé heal. Alors. Soignez ou infligez des dégâts, une chance de vous conférer une charge d'anima résumé peut augmenter votre maximum de points de vie de 1%, maîtrise de 25 pendant 30 secondes. Les charges nul. Ok. C'est tout? Et appliqué. Soignez ou infligez des dégâts, une chance de vous conférer une charge d'anima. Redirigez qui augmente votre maximum de points de vie de 1%. Donc là, par logique, c'est appliqué. Je sais pas. Ajouter les intermédiaires à la forge des liens. Et la forge des liens, elle est là. Alors, les dégâts que vous infligez et les soins nécessitent l'ajout de 3 intermédiaires à la forge des liens. Oui, mais je les mets comment? Ah, comme ça. Ah, en gros, c'est un peu comme avec le cœur. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, en forme d'âme, vous récupérez 5% de votre maximum de points de vie toutes les 3 secondes. Réduit le temps de recharge de forme d'âme de 15 secondes. Vaincre un ennemi réduit le temps de recharge de forme d'âme de 1 seconde. Ok. Après avoir abandonné votre forme de félin ou non. On s'en fout. Ça. Et que vous infligez les soins que vous prodiguez. Ça. Ah, d'accord. Je dois choisir un des deux. Dégâts que vous infligez, points que vous prodiguez sont augmentés de 15%. Lorsque vous canalisez convoquez les esprits. Ouais, c'est quoi déjà cette technique? Forme d'âme.
Alors. Convoquer les esprits. J'ai dû la rater. Votre prochain ordre de mon renaissance ou réception est instantané. Utilisable. Ah, ça c'est cool! Putain, si j'oublie des sorts comme ça. Pas bien ça! Donc il faut qu'on fasse. On va faire ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Pour optimiser un peu le clic. Hein. Ah, il est là. Convocation des esprits. Alors. Et OK. Voilà. Donc les dégâts que vous infligez, les soins que vous prodiguez sont augmentés de 15% lorsque vous canalisez convocation des esprits. Ouais, donc c'est sur moi-même. Après avoir abandonné votre forme de félin, ok, on s'en fout. Les soins et rétablissements et régions frénétiques sont. On va prendre ça alors. Le temps de recherche de forme d'âme. 15 secondes. Forme d'âme, ok. La forme d'âme vous récupère 5% de votre maximum de points de vie toutes les 3 secondes. Réduit le temps de recherche de forme d'âme de 15 secondes. La crainte d'ennemi réduit. Ouais, on va prendre ça plutôt. Renommé 3. Alors, que je comprenne. Nécessite renom 3. Niveau actuel 2. Elle est où ma renom? Renom auprès de votre congrégation de 1. Oui, j'aurais bien aimé qu'on m'affiche que je sache en fait à combien je suis. Et est-ce que ça varie en fonction de la spé? On va voir. Je vais changer de spé, je vais cliquer sur l'armure. Donc non. Donc il va falloir faire se baser vraiment sur son aspect heal. Retourner voir à la baie de lune. Vous êtes spécial, ça. Et renom 3, oh, la dame n'y a débloqué. On ne s'oublie jamais avec vous. C'est toujours un plaisir. Retourner au Rivos. Et vu qu'on a passé rang 3, non, voilà, on peut débloquer ça. Et pour en mettre une là. Votre forme de fin ou votre forme de voyage, vous conservez jusqu'à 40%. On va mettre ça. Ah, d'accord.
Je regarde les sorts qui me manquent, hein. Récupérer de l'anima pour le réservoir d'anima au cœur de la forêt en Sylvarden. Oh, on va accepter. 1000 animas récupérés. Ouh, j'aurais dû la prendre avant celle-là. Clairement. Alors. Ouh, les journalières, elles ont l'air vraiment bien. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Accomplissez 3 expéditions. Oh, bah c'est facile. Ah, avec votre recrue. Mais j'ai pas encore la recrue. Bon, on va prendre quand même. Pénurie de soins. Les voir, falaise vaporeuse. Et... défendez Sylvarden en accomplissant des quêtes journalières et des expéditions en pillant des trésors ou en tuant des créatures rares. Vous pouvez également vaincre des ennemis puissants, le donjon de brune et l'autre côté. Ouais, mais de combien? Ok. Bon. On va voir ça. Et il y en a une autre. Elle est où? Récupérer 3 pièces de négoce sur des créatures rares et dans les coffres ou les trésors. Ok, donc j'ai juste ouvrir des coffres et des trésors. Alors ça non. Ça non. Ça pourquoi pas. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va faire celle-là. Vous transformez en avatar d'Algot. Ok, je suis un ours. Laissez échapper en hurlant qui augmente vos dégâts infiniment et la vitesse de déplacement de 30 secondes. Dure 12 secondes. Ok.
Il y a un coffre, on va y aller après. Donc on a fini la quête. J'ai pas vu qu'il y avait un heal. J'ai cru que c'était un sort d'aggro. Ça ressemblait à un sort d'aggro. Il doit en manquer un ou deux. Je dirais un. GG. On va aller voir le coffre. Il y a un coffre. Et une expédition pète. Donc on va la faire. Celle-là, je pense qu'on a le niveau pour la faire. Alors, le coffre. Hé, je suis tombé. Hé, j'ai glissé. Ok, là, le coffre. C'est ça? Et comment on y va? Comment ils veulent qu'on aille dans l'arbre? Ah, comme ça! Ah, c'est chaud, faut bien viser. Ouh! Et GG. Réduit le temps de recharge des corps de 11%. Ouh! Et de l'anima. Ok. On va faire le pet. Alors, voyons d'abord mes pets avant. Ils doivent être heal quand même. Voilà. Allez, les heal. Ok. Et il faut qu'on remplace Cornelius. Par la Tata Cool.
Voilà. Alors, est-ce qu'on en a qu'un puissant contre lui? Non. Donc, bah, on va attaquer tout court. Il pique, le salaud! On va tenter les flammes une fois. Et on va heal. Comme ça, ça va donner un bonus à tout le groupe. Voilà. Bon. Et en espérant que la tentacule l'achève. Mise tout sur la tentacule. Oh, salaud! Alors, les mascottes, est-ce qu'on a des anti-bêtes? J'ai pas l'impression. Ah, on a noisette. On va mettre noisette. Allez, on y retourne. Ah, je lui ai mis un cas quand même, hein. Alors. Yeah, GG. Cool. Et on va partir bah, sur celle-là. De toute façon, on n'en a aucune qui est intéressante vraiment. Et après, on va aller voir le coffre enchanté. On va aller voir le coffre enchanté. Il est intriguant. On va voir ce que c'est.
Allez, monte, connard! Oh, oh, oh! Ça va faire le tour! Alors c'est quoi ce truc enchanté? Ok, c'est pas là. Oups! On est aggro. Ça va passer, ça va passer, ça va passer! Ça va passer! Ah oui, d'accord, c'est des élites! Je vais pex en tank. Ça marchera mieux, je pense. Ça arrive de partout. Mais c'est quoi ça? Éviter de tomber. Alors. Il est où ce coffre? C'est là, là? D'accord. Ouais. Je n'ouvrirai pas comme ça. Oh le bâtard, il s'est servi de moi. Hop, on l'a eu. On se casse. On se casse. On se casse. On se casse. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver.
Ah, oh, c'est chiant, c'est un truc de ouf. On se casse. Ah, c'est quoi ça? C'est moins bien. Tout ça pour ça. Comment on remonte? Je pars là. On dirait. Oh ta mère, le ralenti. Putain, c'est un truc de ouf. Dernière expédition. Après, il nous faudra un dernier coffre. Putain, si j'avais pris la journée des 1000 avant, mais je les aurais déjà les 1000, vu que j'ai déjà un cas. Plus d'un cas même. Voilà, je faut juste kill tout ce qui bouge. Franchement, je me demande si ça pexerait pas plus vite en ours. Ah, oh, c'est gonflant. Ah, oh, c'est vraiment gonflant. Quand t'as aucun stuff, franchement, c'est vraiment gonflant.
Oui, on retombe dessus. On appelle ça la vengeance. Voilà, ça qui crève, salaud. Putain. Il manque pas balayage. Pas censé l'avoir balayage. Ou c'est rossé, je crois. Enfin bref, une compétence d'ours. Je sais plus. Ah, c'est le truc des âmes, il faut que je trouve les objets au sol là, que je le claque au milieu des âmes. Là, ça. Voilà, on va voir si c'est cumulable. C'est cumulable. Et tu te mets là, et tu fais ça. Voilà. Et tu fais ça. Et ça va beaucoup plus vite que de kill des mobs. Eh, plus qu'un. Vraiment rapide, vitesse augmentée de 15%. Oh, c'est cool ça.
Parfait. Ok, ça c'est bon. Il manque plus qu'une pièce. Donc on va aller chercher un coffre. Et quoi? Ah, cool. L'anima encore. L'anima. Vous ajoutez ça à votre collection. Ok. Réduit le temps de recharge des corses de 11%. Les bonus d'éclipse aux dégâts de colère et feu stellaire augmentent de 30%. Ça, c'est cool. Mais le souci, c'est que je suis spé heal. Donc est-ce que les améliorations s'appliquent que en Sylvarden ou même dans les donjons? Ça, il faut que je vérifie parce que si c'est que en Sylvarden, je vais mettre du DPS. Mais si c'est aussi dans les donjons, je vais mettre du heal parce que je suis pas censé DPS. Il faut que je vois, il faut que je regarde, il faut que je me renseigne en fait. Là pour le moment, je découvre les quêtes et après à voir. En plus, il n'y a même pas de buff, il n'y a rien d'affiché, tu sais même pas. On va voir. Je regarderai, de toute façon, je regarderai sur le net ces informations-là. Que je vois si je modifie. Après, c'est sûr, si je mets du DPS, c'est clair que je vais faire beaucoup plus mal. Ah, il est où le coffre? C'est quoi l'expédition? C'est du kill. Moi, je veux le coffre. Je m'en fous des mobs. Et GG. Alors, on va aller valider tout ça. On va valider ces deux-là. Après, on va faire au Riboss. Parce qu'il parle d'un compagnon pendant les quêtes de Ravendress. Sauf que j'ai aucun compagnon, donc... Donc, je pense que j'ai pas assez avancé dans l'histoire pour pouvoir faire le truc des compagnons. On va aller valider les deux quêtes. Journa. Par contre, on va passer en spé heal parce que c'est du stuff heal qui donne. C'est du stuff. Et en général, c'est lié à l'aspect que tu utilises. Les stats, du moins.
Alors, on va rendre la première. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que t'en as pas lancé. Hein. Ouh, 1500 points de répute. C'est bon ça. Ouh, 1K700 PO gagné. Ça c'est fait. Non, c'est pas vraiment... Bah, vu que la première partie, toute la première partie, c'est du PVE... c'est du PVE en libre accès. C'est pas vraiment un MMO. Après, il y a quand même un certain level, une... accès à une partie MMO. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué à dire. Mais... Ouais, on peut pas vraiment le considérer comme un véritable MMO. Ouais, c'est ça, voilà. Un peu à la Guild Wars. Alors... J'ai joué un petit peu à Genshin. Un petit peu, hein, bien sûr. Votre destin est écrit en lettres de soleil. Et ouais, non, mais je vois très bien de quoi tu parles. Alors, on a du 1K. Donc, soit on fait le réseau de transport, soit on fait... Les conducteurs. Alimenter un puissant pareil, une fois un état fonctionné, il vous permettra de diriger la vers différents lieux de Sylvarden, vous donnant ainsi accès à un nouveau défi aventure. Des améliorations supplémentaires, ok. Le jardin sacré, pour le moment, je m'en fiche un peu. On va faire la racine. Ouais, on va faire la racine. Voilà. Alors, maintenant, c'est quelle heure déjà? Ça va, on a encore un petit peu de temps. Donc, on va continuer la quête à Oribos pour pouvoir voir pour cette histoire de compagnon. Parce que pour le moment, j'ai pas de recrue. Donc si je fais les trois expéditions à Ravendress et que j'ai pas de recrue, ma quête sera pas validée. Donc on va continuer au Ribos, voir s'il me parle d'un compagnon, d'une recrue. Parce que sans ça, moi, ça sert à rien, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et j'aime, ça j'aime. Franchement, j'aime de ouf. C'est masse PO. Ça va pouvoir monter les métiers, tout. En plus. Oh, il y a moyen de monter un peu les métiers, là. Ah, nous manque encore un petit peu. Parce qu'à la rigueur, comme ça, on fait 6 points. Ouais, on fait 6 points. On passe 90. Ouais, on va attendre encore un petit peu. Je voulais aller à la forge. Alors, la forge. Elle est là. Ah, hop. Et hop. En fait, il faudrait savoir si la forge active les pouvoirs sur Sylvarden ou tout court.
Bon, go Ribos, avancez encore parce qu'on est vraiment trop bas dans l'histoire. On est 1 sur 9. On est clairement trop bas dans l'histoire. Alors, il est où le maître de vol ? De l'autre côté. Bien sûr, fallait qu'il soit de l'autre côté. Ah oui, bah, je le vois. Ah là là. Bon, et pendant que ça fly, on va FK 5 minutes. Et on revient. Ah, je me... Franchement, pas. Je suis désespérant des fois. Je sais où il est le fly, mais non. Je pense. Oh là 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 là. Allez. Allez, go, Ribos. Allez, et à tout de suite. Et re... Donc... Remonter. Il est là-bas. Franchement, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent si tu le fais avec plusieurs rerolls. Et quand tu vois, j'ai gagné, là, j'ai gagné au moins 3K d'un coup. Et c'est rapidement en plus, hein. Trouver un moyen de rentrer dans la tour des damnés. Demander à Vénéris. Ok, alors. Ça semble être une quête plutôt longue. Donc, je pense qu'on va on va s'arrêter là. On reprendra la prochaine fois. Parce que ça semble être quand même un morceau assez conséquent. Et je vais pas réussir à arrêter quand il faudra arrêter. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et je vous dis à la prochaine fois. Si je me cause ce soir, normalement, on live sur Legend of Runeterra. Parce que j'ai vraiment kiffé ce jeu. Et j'ai trop envie de faire des games ce soir. Donc,
Peut-être à tout à l'heure, sinon à la prochaine. Salut!